Salut les gens, c'est EMB, j'espère que vous allez bien. Je pense que oui, vu le jeu qu'on va pouvoir tester aujourd'hui, le Network Test Server de Dark Souls Remaster de sur Nintendo Switch. Je suis avec mon Pro Controller, j'ai même enfilé mon t-shirt de Dark Souls 3 pour vous montrer à quel point je suis ultra fan. Je n'ai malheureusement pas eu le temps de terminer le 1 et le 2 à l'époque. J'ai terminé le 3 en boucle plusieurs fois. Et j'attendais cette itération Switch avec impatience parce que j'aurais pu l'acheter sur PS4, effectivement, le remastered. Mais je l'attendais sur Switch pour pouvoir le faire en nomade notamment. Et aujourd'hui, on va pouvoir tester ce remastered. Et alors, qu'est-ce qu'on a? Soldier. Alors, ouais, Witch Pyramid. Oh, énorme! Where's the Knight? Le Black Knight! Mais carrément, vas-y, avec ce personnage. Ouais! On va voir un petit peu ce que ça donne. On va voir un petit peu ce que ça donne, sachant que le test de serveur est ouvert aujourd'hui jusqu'à 23h, si vous regardez la vidéo le jour de sa publication, et également à d'autres dates, je ne sais plus exactement lesquelles. Je vous invite à aller regarder mon Gaming News de ce midi. Il y aura le lien dans la description ou alors dans la vidéo. Là, normalement, tu auras un petit i juste là. Tu cliques dessus et tu auras mon Gaming News dans lequel j'en parle. Et on va pouvoir un petit peu voir ce qu'il en est. Et bah, le jeu est très beau. Et bah c'est très clean, écoute, ça c'est très clean, ça fonctionne bien. Alors du coup, est-ce que c'est toujours ça pour esquiver? Toujours. Ouh, il est lourd. Ouh, il est lourd! Il est méga lourd! Attends, attaque rapide. Ouais, avec une grosse épée comme ça. Attaque lourde, c'est celle-ci. Ouais, c'est ça. Allez, vas-y, on va casser ça un petit peu. Mais il est ultra lourd! Il est méga, giga, supra, ultra lourd, ce personnage! Tu sais quoi, on va tester celui-ci et après on va tester le personnage de Prytosan. Sachant que si la vidéo vous plaît et que vous souhaitez commander le jeu, vous aurez le lien dans la description. Voilà, si vous souhaitez, ça aide la chaîne si vous commandez avec les liens qui sont là, donc ça sera avec grand plaisir. Alors, on a toujours lire les messages, bien sûr, qui viennent de Dark Souls 3, je crois, ou du 2, je sais plus, pendant la chute attaque tombante. Ah oui, alors attends, oui, il y a du monde. C'était dans le 3 qu'on pouvait apprendre, qu'on pouvait parler avec les autres ou quoi? Je sais plus du tout, attends. À toi, tu dégages. Et. Allez, ça dégage. Très bien, on l'a eu d'un coup. Boum. Alors attends, qu'est-ce qu'on a par ici? J'ai l'impression qu'on n'a pas grand-chose par là. À moins que. Qu'est-ce qu'ils nous disent? R, attaque. Ah, c'est parce qu'il y a un mec là. Ils sont là. Ils sont tous là, en fait. T'inquiète pas, mon coco. Oh là, une seule fois. Une seule, ça suffisait. On va casser, voir s'il n'y a pas des trucs sympas là-dedans. Et bah écoute, je trouve que le boulot qui a été fait sur ce Dark Souls Remastered est plutôt bien foutu. Je sais pas ce que t'en penses, mais je le trouve plutôt bien foutu, écoute. Alors, coup de bouclier, c'est comme ça. Se protéger, c'est avec cette touche-là. Comment on court? Je peux courir? Ah, c'était la potion. C'était pas du tout ça que je voulais faire. C'est pas grave. Ah, prendre à deux mains, c'est avec X. Oula, oula, oula. Attends, bouge pas. Ok, un coup. Ah oui, un coup suffit. D'accord. À fouiller le corps. Attends, viens, on va fouiller ton corps. Épée longue, ok. Je sens le boss là. On va pas y aller tout de suite, on va essayer de voir un petit peu comment. Ah, mais c'est vrai, le sanglier! Exact. Bouton B, ok. Ok, oui, si tu veux. Ah oui, d'accord, on peut. En appuyant sur le joystick droit, vous loquez l'ennemi. Attends, attends, reviens en arrière. Peut-être la jauge d'endurance, c'est vrai qu'elle est. Elle est tellement faible. Alors attends, vas-y. En arrière! Ok, ça c'est bon, très bien. On va être précautionneux dans ce qu'on fait. Dit-il avant de se faire dégommer la tronche. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, de ce que je me souviens, il y avait un gros ennemi, pas trop loin, un boss là. Alors lui, je le sens pas top top. Lui, je le sens pas au top, tu vois. Ouais, c'est ce qui me semblait, merci à toi. Oh punaise, attends, calme-toi. On est mort, bien sûr qu'on est mort, mais bien sûr qu'on est mort. De toute façon, il fallait bien commencer cette vidéo avec une mort. comme je vous disais, j'ai pas touché à Dark Souls premier du nom depuis quasiment sa sortie, en fait, je crois. Hein. Moi, c'est Dark Souls 3 que j'ai kiffé. J'avoue que j'ai littéralement craqué. Pour la soirée, j'ai pas eu le temps de faire la dernière extension de Dark Souls 3. Malheureusement, il faudrait que je la fasse, surtout que j'avais acheté le Season Pass. Mais Dark Souls, je suis tellement fan. Ce Die and Retry, quoi, c'est. Je kiffe. Attends, vas-y, viens. T'avais une attaque, ça c'est bon, vas-y, tu dégages. Je crois qu'il y en avait un derrière. Qu'est-ce qu'il nous dit? Essayez braise. J'ai pas braise. Attends. Si je bouge ma petite caméra et que je la mets là, on a quoi là-dedans? Changer d'équipement, afficher statut. Non. Attends, bouge pas, mon ami. Changer équipement.
Bah non, non, garde ça quand même. Tu sais quoi? Bah ouais, mais j'ai pas braise. T'es mignonne. Il est mignonne, lui. Ok, ça c'est fait, très bien. Et bon, on a aucune endurance, quoi, c'est atroce. Vas-y, viens là. Wata! Comment se faire tuer en trois coups? Mais pourquoi? Ta maman, j'ai même pas eu le temps de récupérer les... récupérer les trucs à côté, quoi. Oh, sa mère, la chèvre. Je vais essayer un autre personnage, tu sais quoi? Donc, on sélectionne le Warrior of Sunlight. Comment ça que ce personnage? Bien sûr, comment ça que ce personnage? Je veux pouvoir tester celui-ci aussi. Ah ouais. Ah ouais, mais c'est le jour et la nuit, là. Mais carrément, vas-y, mais carrément. Attends, juste pour le kiff. Ah, on peut maintenir par commande? Non. Tu peux pas faire ça quand même. Énorme! Ah, tu peux donner des ordres, t'appuies sur B. Mais c'est génial. Et du coup, il peut donner aussi, genre, si t'es main dessus sur A, et tu fais des coups d'épée ou pas? Je suis sûr qu'il peut faire des coups d'épée. Maintenir. Hurrah, ok, bon bah écoute, bon allez vas-y, on y va comme ça. Ouais, non, non, mais tu feras tes trucs plus tard, merci. Allez, hop. Wow, tu te fous de moi ou quoi? Allez, viens. On y retourne. Allez, vas-y, viens là, attaque-moi. Ah ouais, mais alors, bien évidemment, il fait moins de dégâts, mais c'est le jour et la nuit, quoi. Ah, on est quand même mieux là, effectivement. Allez, mais mange-toi ça. Voilà, tiens, ça c'est fait, tu nous embêteras plus. Bon, par contre, ouais, on va essayer de faire attention à son pote là-bas. Allez, vous avez récupéré, ok. Regarde-le, écoute-le avec ses petits sabots là. Ouais, c'est de toi que je parle, absolument, monsieur le facochère. Bon, je vais pas te faire beaucoup de dégâts, donc du coup, je vais m'éloigner. Mais du coup, tu as été très gentil avec moi et j'apprécie énormément ce que tu as fait. J'aime beaucoup ce que vous faites dans la vie d'ailleurs, soit dit en passant. J'apprécie beaucoup ce que vous faites. D'ailleurs, je crois qu'il faut vous tomber sur la tronche depuis les hauteurs. Mais je dis ça, je dis rien, il me semble, hein. Si je ne dis pas de bêtises. Par contre, c'est les deux poteaux là qui commencent à me gonfler. Je crois qu'il faut lui tomber sur la tronche à ce petit sanglier là. Oh! Non. Non! Non, tu ne mourras pas! Tu ne mourras pas! Ah, dis donc, attends, ce rire était dégueulasse, je sais. Je crois qu'il faut lui tomber dessus, mais va lui tomber dessus quand il veut pas s'approcher. Attends, il y en a un autre derrière! Mais les gars! Wow! C'était pas voulu! C'était pas voulu, c'est pas ça que je voulais faire! C'est pas ça que je voulais faire! Attends! Monsieur le sanglier, je vous envoie Obélix aussi là. Allez, ça dégage. Bah oui, marche dans le. Mais marche dans le. Mais oui, mais bien sûr, marche dans le feu! Bien sûr! Tu t'es pris pour Daenerys ou quoi? Il est ouf celui-ci! Ah, je suis obligé de gaspiller toutes mes fioles d'astuces, c'est pas possible! Bon, alors, hein? Où est-ce qu'on en était? On en était par là. Fouiller le cadavre. Mais oui, fouille le cadavre, s'il vous plaît. Ah, c'est bizarre d'avoir la touche qui est là. Alors. Allez, tiens. Eh bien, écoute, il tourne plutôt bien. Bah, j'ai envie de te dire qu'il tourne plutôt bien, ce Dark Souls. Alors, on est sur une version en cours de développement. Hein. C'est précisé, bien sûr, au début, quand vous lancez le jeu, quand vous lancez cette version test, vous êtes sur une version de développement. Donc, si jamais il y a des bugs, eh bien, c'est pas que c'est normal, mais voilà, ils le disent. Ils précisent quand même. Allez, on va passer par, on va descendre par là. Comme ça, on va laisser le sanglier là-haut. Attends. Viens là, viens là, viens là, viens là, viens là. Fais pas ta coquine. Fais pas ta mijaurée. Allez, viens là. Ok, vous êtes trois les mecs, ok? Bah moi je suis tout seul. Alors, on a ramené de la famille? On a fait des copains? Tout ça, tout ça? Alors? Alors? On fait moins le malin avec une épée dans le bidou? Hein? Ah, c'est ça, agenouille-toi, c'est ça. Mais pète un câble. Dis donc, ce personnage est quand même beaucoup plus rapide que l'autre. C'est peut-être plus agréable. Bon, allez, on grimpouille. Ouh là, il y a du monde. Oh, mais c'est la fête du slip ici, c'est pas possible, sans déconner. Mais personne m'a invité. Et comment c'est-il? J'ai même pas été invité. Donc, genre vous organisez des trucs comme ça sans les autres. Prévenez, envoyez une invitation, envoyez un papier russe, j'en sais rien. Enfin, un papier russe ou une mamie russe. Oh, la blague pourrie. Pardon, je suis désolé de cette blague de niveau 3.
Attends. Allez, on fouille le cadavre. La clé mystère, ça nous sera utile. Et on enchaîne sur la petite échelle. Vas-y. Ah là là, je te jure, c'est pas possible. Bon, qu'est-ce qu'on a là-haut? Encore des invités surprises. C'était voulu, c'était voulu. Vous inquiétez pas, c'était voulu, c'était fait exprès. Je reviens. Ne vous inquiétez pas, j'arrive. Ah, dis donc. Eh? Alors? Alors? On veut des coups de poing dans les fesses? Ah! Pardon. Non, 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 non! Mais fous-moi la paix! Dis donc. C'est pas très gentil d'attaquer les gens par terre. C'est pas très gentil d'être méchant. Oh, ça sonne. Vous avez entendu les cloches? C'est l'heure de votre mort imminente. Par contre, je n'ai plus de fiole d'estus et il faudrait que je trouve un feu de camp, mes amis. Je ne sais plus s'il y en a à proximité ou pas, ou pas du tout, ou je ne sais plus. Mais je suis un poil dans le cake. Et puis en plus, il va y encore y avoir des invités surprises, je le sens, voilà, qui sont cachés sous les tables. Ça se cache sous les tables, ça joue à cache-cache, ça joue l'espèce de galette, là. Je sais plus comment ça s'appelle, voilà. La galette des rois, exactement, merci à ceux qui l'avaient trouvé. Allez, on poursuit. Et là, je le sens très mal. Genre, je sais pas, tu vois, une sensation. Une sensation quand tu traverses le brouillard et que tu le sens très mal, tu vois. Comme ça. Je sais pas. Genre, je le sens pas du tout. Attends. Si je m'approche doucement, je peux la voir. Doucement, voilà. Bonjour. Bonjour. Hop là. Voilà. Ah, ça l'a pas achevé. D'accord. Non, 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 non! Mais... Ouh, pardon, j'ai posé la manette sur la table. Mais pourquoi? Mais monsieur! Oh, alors? C'est pas très gentil? Bah, on y retourne. Ok, nous y sommes. Nous y revoilà. On y va doucement. On y va doucement. Alors, moi, je propose un truc. On lui refait l'attaque dans le dos, genre, comme ça. Ah! Ah, mon dieu! Mais d'où mon personnage fait ça? Dis donc, alors? C'est vraiment pas très très gentil d'être méchant, moi, je te le dis. Bon bah il est en train de se prendre un mur, ça m'arrange. Ok, il lui reste... Oh punaise. Waouh. Ah mais non. Je peux te dire que cette fois... je dis ça mais j'ai tellement aucune assurance. Allez. Allez vas-y, tu vas bouffer, je te le dis. Oh. Ok, il reste quasiment plus de vie. Oh. Allez, le petit saut qui fait du bien! Tiens, va, tu m'en donneras des nouvelles de celui-là. Bon alors, tout ça pour quoi? Tout ça pour quoi? Tout ça pour un bouclier. Eh ben, c'est une bonne chose. Bouclier, recherche à utiliser, patati patata. Ouais, mais non, bah écoute, on verra plus tard. Allez, vas-y, hop. Ok, ça c'est fait. Allez, vas-y, espèce de petit pantin. Tu es un pantin! Tu ne représentes rien pour moi. Allez, viens là, toi. Tu vas voir. Allez, viens, viens, allez. Attaque-moi. Allez, attaque-moi. Oh, je suis obligé de briser ta garde comme ça? T'es sérieux? Ah, tiens, c'est ça que j'attendais, c'est ça que j'attendais. Non. 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 Le personnage, on a juste l'impression qu'il fait autre chose quand il se prend une arme. Fait... Oh! Mon dieu, que c'est... Oh là là. je préfère me taire. Mais vas-y, mais... Je vais la voir ou pas du tout? Bah viens, allez, vas-y, allez, viens. Allez, viens. Allez, viens. Allez. C'est pas parce que t'es mort que voilà, hein. Dis donc alors, je te fais venir pour pouvoir retourner autour de toi. Non, mais il n'y a pas de mur invisible. Mais fais pas genre des feintes. Genre, hey, tu vas à droite. Hop là, je reviens à gauche. Hop là, je vais à droite. Ah, oui, d'accord. Mais attends, hey, j'étais en train de me moquer de toi. C'est bon, laisse-nous le temps de la moquerie quand même. Ah, alors. Bon, il y avait des trucs, il y avait rien derrière toi, je crois. Ou au pire, on y retournera tout à l'heure en live, c'est pas grave. On verra bien. J'entends des bruits de pas. Ah oui, ah oui, ah bah oui, ah bah oui, effectivement. Effectivement, les gars. Ah! Ah, mais oui, mais attends, mais toi, t'es pas très très gentil, toi. Je dis parce que j'ai eu ton pote, c'est ça? On est sur une vengeance personnelle. C'est quoi? C'est de la vengeance personnelle, c'est quoi là? On est comment? On est où là? On est où? Tu t'es cru chez ta mère? Hein? Alors?
Alors, c'est qui ton père maintenant? Oui, si vous connaissez pas Dark Souls, vous finirez par péter un cap comme ça, psychologiquement, en jouant. C'est normal, hein. Je précise quand même que c'est normal. Et bah quand même. Ah, mais alors? Mais vas-y, mais je briserai jamais sa garde! Je n'ai plus aucune fiole d'astuce. Avez-vous une astuce? J'en peux plus. Oh, j'en peux plus. Allez, viens, c'est le moment. T'as brisé ta garde! Tiens, tiens! Non! Non! Mais pas sur lui, mais j'ai battu son pote! Ah bah voilà, en fait, j'avais juste à faire le tour et puis c'était bon. Ok, très bien. Allez, vas-y, on poursuit du coup. Et bah écoute, pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Pour l'instant. Mais de toute façon, je pense qu'on continuera tout ça, lire le message, j'ai réussi. Bah moi aussi, ça me fait plaisir. Ouais, on fera ça. Ouais. Écoute, on va peut-être s'arrêter par là. On va aller ouvrir la petite porte, et puis on va s'arrêter ici. On va s'arrêter ici pour cette vidéo. Est-ce qu'on va réussir à l'avoir ou pas? Vous pensez? Ça va être short sa maman. Ok. Allez, on va l'attaquer comme ça. Et... Non. Pas du tout. Ah ah! Ah ah! On fait moi la maline! Ah bon, on a essayé de m'attaquer sans que je le voie, hein, par derrière, comme ça. C'est lâche. Mais c'est tellement lâche. Ah mais je les aime pas ceux-là. C'est bête, hein. Ils sont pas plus forts que ça, mais je les aime pas, tu vois. Tu sais quoi? On va essayer de te faire t'avoir... Allez, tiens, et... Papa, l'esquive qui fait du bien. Ah, Dark Souls, qu'est-ce que j'aime ça. Fouiller, clé de la cave. Ouais, bah très bien. Qu'est-ce qui est enfermé à la cave? Allez, on ouvre ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter. On va s'arrêter juste là à l'ouverture de cette porte maléfique et démoniaque. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Perso, je trouve qu'il tourne très très bien. Ce soir, on fait un live dessus également pour surkiffer ça ensemble et mourir à la chaîne ensemble. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Vous avez également juste ici là dans cette zone, eh bien les liens de mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, tout ça. Ici là dans ce petit coin, t'as un petit personnage, tu cliques dessus pour t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Moi je te retrouve très très vite sur la chaîne ou pas, sera toujours encore à toi de décider ou pas. Hein. Bien sûr, c'est un revoir mon tronche l'état, on sait jamais. Hein. Voilà. Salut, salut. Hey, hey,